La FESI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, et les autres mouvements de défense des droits des étudiants sont dissous. Ils sont remplacés par le Conseil des étudiants. Cette nouvelle trouvaille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à modifier considérablement le rôle et la place occupée par les étudiants dans la gestion des universités. Elle a aussi pour objectif de les impliquer dans leur développement. Selon Aboitier Mansila, directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce modèle est inspiré des grandes universités occidentales et américaines. Le Conseil des étudiants, à la différence de la FESI, permet d'avoir un interlocuteur par université et non un leader national comme cela se passait avec la défunte FESI. L'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui représente l'ensemble des étudiants par université et non plus des interlocuteurs qui parfois ne relèvent même pas de l'université concernée. Mais comme c'est une organisation nationale, c'est peut-être quelqu'un même qui a université de Péléforogon ou l'INP qui viendra pour régler un problème à l'université Nangua-Abrogua ou Félix Houphouët-Boigny. Principale condition d'éligibilité, être parmi les 3 ou 5 meilleurs étudiants de l'année académique en fonction des universités. Quelqu'un qui est excellent n'a pas forcément les mêmes préoccupations qu'un étudiant lambda moyen ou même très médiocre. C'est vrai, mais quand on part de l'objectif, logiquement, celui qui est mauvais doit avoir le même objectif que celui qui est très bon. C'est de voir son université être excellente. L'élection des conseils des étudiants se tiendra dans le courant de cette année académique 2013-2014. Le bureau est élu pour un an. Cela dans le souci d'éviter la sédentarisation.